Encore un incendie à Bamako. Le marché rose a brûlé toute la nuit d'hier. Les dégâts sont énormes. Ils sont estimés à des milliards de francs CFA. Les branchements anarchiques seraient à l'origine du feu. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est aussitôt rendu sur les lieux. Ibrahima Traoré. Le feu s'est signalé au cœur du marché central de Bamako aux environs de 23 heures ce jeudi soir. Les pompiers, aussitôt alertés, se présentent, mais hélas, très difficile pour eux d'atteindre l'incendie. Toutes les voies d'accès sont anarchiquement occupées. Du coup, l'intervention a duré toute la nuit. De nombreuses boutiques sont détruites. Les commerçants pointent du doigt les causes de l'incendie. J'ai l'ultime conviction que ça dit, cela est dû à des branchements anarchiques, ça dure au sein du marché rouge. Parce que si vraiment moi je tiens vraiment que l'autorité vienne voir, c'est-à-dire le marché rouge. Le marché rouge, c'est-à-dire c'est quelque chose d'importance, c'est-à-dire pour ce pays-là. Donc ils viennent voir ça, comment, c'est-à-dire les gens se sont, c'est-à-dire procurés, c'est-à-dire de l'électricité, c'est-à-dire de n'importe comment. L'accès au marché rouge, c'est archi nul. Parce que d'abord, la première maquette qu'ils ont montée pour que le marché rouge soit comme ça, ils ont validé ça trois fois. Et la troisième fois, ils ont venu faire ça un petit marché comme ça. Ensuite, sur la route, ils ont venu asseoir les petites boutiques sur la route aussi. Donc vous voulez qu'on dégage la route? Pour qu'on puisse avoir la route, pour faire accès au marché.